as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist.
suffering will be legendary even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. Salut Thomas. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Fidèle parmi les fidèles. Bon, on va pas perdre de temps. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est quand même bon. C'est le jeu. Évidemment, il y a un petit peu moins. Je vais faire mon timide. Hein. Alors, où en étions-nous? Nous en étions. Ah, est-ce que le son est bon? Alors, on m'a dit sur YouTube que la dernière VOD, hein, on s'est plaint. Hein, faut dire les choses. Hein, vous le savez. On s'est plaint du son. On a dit que le son était un peu trop faible. Alors, est-ce que le son est meilleur? J'ai peu le temps de regarder la partie 3. Bah voilà, bon, il y en a qui l'ont fait pour toi. Mais j'ai eu les deux premières. Bon, très bien. Alors, je vais te résumer. On est arrivé dans le cachot. On est arrivé au cachot. Et on doit ouvrir ce modeste cadenas. Mais ne t'inquiète pas, c'est une affaire qui roule. J'ai l'acide. Pendant que t'étais pas là, j'ai été chercher l'acide, moi. Donc, il est où l'acide? Il est là. Alors, en double-clic. Oui, on m'a dit... Alors, pardon, je vais finir un jour une phrase. Cela ne ferait aucun bien. Ah oui. Alors, j'adore toujours les traductions. Hein. Cela ne ferait aucun bien. Oui, alors, moi, je vais essayer d'utiliser mon petit burin, mon marteau et... marteau et ciseaux. Le cadenas n'a pas été affecté par l'événement. Ah, j'aime bien quand ça commence comme ça. Oui, alors, je vais finir une phrase un jour. On m'a dit que le son était un peu trop fort. Du jeu. Est-ce que là c'est bon là? Est-ce que là le mix est bon? Est-ce que tu peux me dire Tamar? Déjà on va arrêter d'utiliser la lampe. Ouais mais si on n'utilise plus la lampe là tout le monde va partir. Hein. On va recommencer. La porte est verrouillée et le cadenas est en excellent état. Bah oui mais moi j'aimerais bien qu'il soit en moins bon état avec mon acide. Cela ne ferait aucun bien. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais bloqué, j'ai été regarder un petit peu la solution. Hein? Ça reste entre nous. Je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu bloqué. Hier. Je suis parti, on était un peu bloqué. Bon, j'ai regardé un peu la solution. Et en fait, j'aurais pas eu besoin de regarder la solution. Il faut effectivement... tiens, d'ailleurs, on peut s'en mettre ça. Il faut effectivement utiliser l'acide... Mais il faut utiliser le marteau et le marteau et le ciseau. Bon, c'est ce que j'avais fait. C'est la solution de jeuxvideo.com. Hein. Et c'est exactement ce que j'ai tenté de faire. Mais ça ne change rien. Ils disent de commencer par mettre de l'acide. Attendez, écoutez bien cela. Commencez par mettre de l'acide sur le cadenas pour le fragiliser, en quelque sorte. Et après, l'achever, le démanteler avec le marteau et le ciseau. Et c'est ce que je viens d'essayer de faire, là. Attendez, peut-être qu'il faut... quoi. Faut le jeter. Cela ne fera aucun bien. Mais ça veut rien dire, ça ne fera aucun bien. Moi aussi, je ne te ferai aucun bien. Il n'est pas facile. C'est pas un jeu facile, oui. Mais hier, on s'est drôlement bien débrouillé. On a réussi à faire toute la salle des machines, l'ascenseur. J'étais tout seul, par contre. Ça y est, vous voyez, on stream pas une journée, tout le monde part. Ça y est, c'est les vacances. Romain, il n'existe plus. Hein. C'est pour ça que ça me fait plaisir de te voir ce soir, Thomas. Pas de mentir. Pas de mentir, j'en ai eu gros sur la patate. Quand j'ai vu que j'étais tout seul, alors que ça faisait juste une journée que je streamais pas, les gens m'avaient déjà oublié. Tout l'internet m'avait déjà oublié. Eh ben écoute, j'ai bien l'impression que ce soit pas cette porte-là alors. Hein? Parce qu'on... regardez. Non, William n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? William n'était pas là. Regardez là. Si je fais ça. Putain, c'est curieux. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que. Il y a moyen de faire quelque. De goupiller quelque chose. Regardez ça. La porte. Alors là, voilà. Peut-être qu'en le goupillant comme ça, on peut l'attaquer mieux à l'acide. Oh, mais c'est. Est-ce qu'il faut mixer ça et ça? La combinaison ne fonctionne pas. Attendez, c'est une histoire de combi, hein, de combinaison. Est-ce qu'il faut que je mette le marteau et le burin dans l'acide? Non. Il m'a écrit autre chose, là. Reteste l'acide, oui. Mais, je regarde si ça change les zones. Mais franchement, c'est la solution. Hein. Et après, il faut attaquer au burin.
Voilà, il me dit qu'il est en excellent état. S'il me dit qu'il est en excellent état, ça veut dire qu'on peut l'affaiblir. Et je sais que c'est ça, puisque j'ai été regarder la solution, parce que ça m'agaçait. Donc, pourquoi donc non? On sait qu'on a. Bon, l'aiguille. Il y a quelque chose à faire avec l'acide que je comprends pas. Alors, des fois, on jette les choses, mais. Ça se trouve, il faut juste le mettre sur un pixel perfect. Ça ne ferait aucun bien, putain, mais je suis complètement pas con. Alors peut-être qu'il faut que je remette le cadenas comme il était et que je le mette bien dans la serrure, dans le trou de serrure. Je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de followers. Regardez à quoi on joue et regardez ce qu'on fait. Comment voulez-vous? Eh ben voilà, ça y est, et maintenant on est dans le noir. Ah bah bravo. Y a pas une petite torchette là? Et maintenant mon personnage a peur. Vous savez ce qu'on va faire déjà? On va recharger la sauvegarde. Comme je vous le dis. Hein? Bon allez, ça va, c'est pas vraiment triché, hein. C'est pas vraiment triché. Retest l'acide, tu as fait comment? Bah, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Bah, on est où là? Attendez, ça va pas du tout. On n'est plus au bon endroit. Et j'ai plus d'acide? Ah, j'adore. Oh, c'est pas possible. Ah, j'adore. Tu l'as ouvert là? Non, non, non. Mais j'ai plus de lanterne. J'ai plus. Donc, t'es sûr que je l'ai ouvert? Non, 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 regarde, la porte est verrouillée, le cadenas est en excellent état. Ça n'a fait strictement que dalle. Attendez, je vais essayer de le mettre bien sur le trou de la serrure. Cela ne ferait aucun bien. Je comprends pas. Je t'assure, Tama, que c'est la solution. Ils disent, je te le dis comme de mémoire, fragilisez le cadenas avec l'acide et finissez le travail avec le marteau, le burin. Bon, moi, j'aime bien dire le marteau, le burin, je sais qu'ils disent pas ça, mais. Donc là, je comprends pas. Je suis pas plus con qu'un autre. Pas plus bête qu'un autre, quand même. Alors moi, peut-être qu'il faut le mettre tu sais, pas sur le cadenas, mais sur l'espèce de pièce en métal là. Oh putain. Tiens, oui, aide-moi un petit peu. C'est gentil, Tamar. Aide-moi un petit peu, là, je comprends pas. Alors peut-être que c'est pas ce cadenas-là, mais bon, bon, faut pas déconner. Et à un moment donné, faut pas déconner. Puis on a plus de. Dès que tu reviens, j'y retourne. Mais on a plus d'huile. Alors ça me dit que c'est la partie 4, hein, normalement. Voilà, zone de cellule partie 4. Là, y a pas quelque chose qui traîne. Ah, ils disent que c'est un cadenas abîmé, donc c'est pas celui-ci. Ok. Bon, allez, on se casse. Ok, c'est un cadenas abîmé. Je l'ai mal lu, alors. Putain, mais comment on va faire si on n'a plus de loupiote? Je sais qu'il y a un autre cadenas qui était tout en bas. Oula, oula, qu'est-ce que j'ai Hey, fait? you! Stop! Don't come any closer. I just wanna leave. Il y a eu un trigger. You can't go outside. Merci pour ton aide. It's too dangerous. I'm telling Gabriel. I doubt that very much. Oula. Alors là, il y en a forcément. Ça ne veut pas bouger, oui, d'accord. La porte est verrouillée, le cadenas est en excellent état. Donc c'est pas ça, hein. Non, mais là, je suis en train de mourir. Oh putain, et en plus, il y a l'autre bâtard qui arrive. On scrooge. Il va se barrer. Il va partir.
Oh là, on l'a, vous avez vu comment on l'a feinté là? Mais on va devenir chèvre avant hein. Et là? Ah, en très mauvais état. C'est ça. Oh là mon dieu, comment on progresse. T'es pas venu pour rien Tamar. Voilà. Et tout de suite le burin. Et voilà. Et là il nous a donné quoi? Allez, de l'amadou. Allez, entrez dans le réservoir. Et voilà, Mamadou, la mouche, pour la peine. Marchant avec précaution sur la terre inconnue, il regarda par-dessus son épaule, on s'en fout. On n'a pas le temps de lire. Et bim. Et bim, hop, ça, oh là, c'est l'enchaînement là. So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the dank tunnels produce a rather poisonous type of fungi. Mycète toxique. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Ok, we're almost there. Ah, regardez un petit levier là. Ah ouais, alors la fin du flashback bien sûr. Le levier est bloqué, il faut graisser ses engrenages. Il va falloir graisser. Graissez-moi ça. Graissez-moi ça, graissez-moi bien ça. Regardez, regardez, il y a une échelle. Il va falloir graisser. Vous l'avez compris là que j'aimais bien dire le mot graisser ou pas? Vous l'avez? Ça ne veut pas bouger. Alors, ça ne veut pas bouger, c'est une porte. Hein. Il m'a pas l'air bien au courant des choses. Bon, il va falloir graisser. Et bim. Allez, on passe par là. On a plus de... On a plus rien. Hein. On est à poil. Ah. L'eau est trop profonde pour pouvoir traverser sans risque. Oui, mais on se scratch. On s'en fout. Hein, on peut pas. Ok, à tout de suite. Moi je regarde un peu la zone. Là on peut pas. À gauche de l'échelle on peut pas. On va pas revenir où on était hein. Hors de question hein. Ah, il veut pas sauter. Il est petit joueur quand même. On va pas revenir dans les cellules hein. Ah non non non, il est hors de question. On n'a pas de graisse. On n'a pas de graisse. On n'a pas de graisse. Ah, il est hors de question qu'on retourne dans les cellules. Non, 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 on a réussi. C'était très, très bien. On a de la graisse? On n'a rien du tout. On a quoi? Fiole en verre, récipient en verre vide. Ah, peut-être qu'on peut prendre un petit peu de la flotte là-bas. Ou même ici. J'y crois peu, hein. Mais bon. Non, 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 non. Allez, on va aller là. On va aller prendre de la flotte. Il a dit qu'elle était toxique ou je sais pas quoi. Wow, quelle combinaison possible. L'eau trop prendre pour traverser sans risque. Qu'est-ce qu'il me dit dans le memento? Normalement, c'est M. Évidemment, ça marche pas. Ou alors, c'était I ou J. Ah, voilà, memento. Pour entrer dans l'égout, il doit d'abord être vidé. En fait, il me donne un peu la soluce. Bon, on l'avait compris. On n'est pas si con. On n'est pas si con. Drôlement beau, là. J'étais en train de me regarder sur le retour. Je me trouve drôlement beau ce soir. Ah, 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 ah. Qu'est-ce qu'il y a eu, là? Un récipient nécessaire pour transporter de l'huile. Ah, ben voilà. Vous voyez? Tout s'arrange. C'est bon? Et voilà, on a de l'huile. Mais de l'huile, comme disait... le groupe Zebda, je crois. Hein. Et à leur âme. Pas père à leur âme de nous avoir fait autant de mal. Ils ont été en procès avec la musique, hein, je crois. Hein. Ah oui, alors, on va graisser ça. C'est Zebda qui m'a mis dans l'erreur. Voilà. Et normalement, l'échelle. La bobinette. Voilà. Et...
Mais quoi, elle s'était bloquée par le tuyau. Un tuyau cassé bloque l'échelle. Il a néanmoins été un peu endommagé pendant l'impact. Et ben alors, on recommence la manip. On n'est pas con. Et on lui remet un coup. Regardez-moi ça, comme je suis pas con. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Comment on fait ? Ah voilà. Première fois qu'on prend une échelle alors. Bon ouais, on a fait ça en 2-2 là. C'est magnifique. J'imagine qu'en 2010 ça devait être. Les gens devaient chialer là. C'est très très beau. Allez, continue notre petit périple. Bon, Tama nous a dit que le son était bien, on va rien changer. Qu'est-ce que ça change là? On fait descendre. Ah, ok. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça me plaît. On fait descendre ça. On pouvait y aller là ou pas d'ailleurs? C'est la salle de contrôle. Allez, on va à la salle de contrôle d'abord. Voilà. Déjà à la salle de contrôle. Excusez-moi pour la cigarette, hein. Là j'ai pas eu l'idée de couper le micro. Herbert, how did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Ok. Ok, ok. Bon, on a plus de lanterne. Hein. Espérons qu'on va trouver quelque chose ici. Hein. La porte est lourde. Eh ben, qu'à cela ne tienne. Alors ça marche très mal, hein, à la souris. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est bon, c'est bon. Salut Samus. Ravi de te voir. Comment vas-tu, Samus? Alors là, on va avoir des petits leviers. Une espèce de chaufferie, là. Alors déjà, on a trouvé un objet clé. Ramasser manivelle en bois. On a une petite manivelle en bois. On va la regarder tout de suite, à quoi elle ressemble. Une manivelle pour une machine. Tout simplement. Bon, on a la salle des machines. Vraisemblablement, c'est ici que ça va se servir. On va servir. Qu'est-ce que ça fait si on actionne un levier? Un bruit. Ok. Allez là, n'aie pas peur. Ça remonte celui-ci. Moi je veux pas remonter. J'imagine qu'il faut le baisser complètement. Ah, on peut monter aussi. Allez, on le redescend à fond. Essaye de comprendre un peu le... Non, ça le remonte. Attendez, il y a combien de positions? Non, c'est haut et bas, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Parce qu'il fallait faire, mais on a réussi. On a remis la machine en route là. Donc là on a fait à droite. On venait de cette porte là, hein. Après qu'on cède des caisses. Ouais. Ah peut-être pas, il y a joué une bougie. Non, on n'est jamais venu là. Il y a de la vapeur là, hein. L'idée ce serait de mettre une... On va mettre un peu de Mamadou. Pour ce... Ah, il y a des trous là. Là aussi de l'autre côté. Non, il y a rien du tout. Donc tant mieux, on a bien mis. Eh bien, merci Romain et toi. Bah moi je vais très très bien. Je vais très très bien. Ah merde, je pensais qu'on pouvait l'ouvrir.
Qu'est-ce qu'on peut me remettre ici? Il veut pas sauter? Ah, il y a du trou là, il y a du trou, donc il faudra faire quelque chose. J'imagine que... Non, la manivelle, pas du tout ici. Oula, j'ai fait un grand saut. J'ai fait un grand saut. Oh, la manivelle. Ouais, non, non, c'est n'importe quoi, ça. Il fallait quand même que je tente. J'ai quand même envie de virer les caisses. J'ai l'impression qu'il y a du mamadou par là. Je sais pas pourquoi. Je devrais les envoyer autre part. Non, il y a que dalle. Je sais pas pourquoi, moi, je suis idiot, j'aurais dû envoyer ça autre part. Allez, 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 on fait le ménage là. On fait le ménage. Parce que souvent derrière les caisses, il nous faut de la lanterne. Non, y a rien. Allez. Allez, je vais mettre une caisse devant l'entrée pour nous signaler qu'on a déjà fait la pièce. Voilà. On va essayer d'être méthodique. Donc, on a remis la machine en route. Là, il va falloir ouvrir à nouveau aussi. Ah, vous voyez ça, comment c'est de la merde? Voilà. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, allez. Bon, on va. On teste la première porte qui vient. Faut pas qu'on ait peur. Faut qu'on arrête d'avoir peur. Ce n'est qu'un jeu, hein. Donc là, on a une autre énigme. Avec un poids, deux poids qui sont reliés à je ne sais quoi. Là, The Soupirail. Il y a des poids, il y a trois poids. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bon, c'est l'ombre du... Salut, Nick Taras. Oh là là, Nick Taras, ça fait tellement longtemps. Ça donne envie de chialer, hein. Ouais, t'arrives, il y a déjà une boîte de Mamadou. Tu vois? Comment vas-tu, mon bon ami? Alors, il faut peut-être que je me mette mieux pour voir ce que je suis en train de faire. Voilà. On est en train de manœuvrer du poids là. Je sais pas trop pourquoi. On est dans une nouvelle salle des machines. Sont t'es au courant de tout. Toi, t'as regardé la VOD. T'as juste loupé le début de là, quoi. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut qu'on monte tout au maximum. On a une manivelle, hein. On a une manivelle. Là, on est maximum. Ah, vous entendez le bruit, là? Il y a eu un petit bruit, hein. On s'en rappellera. Je tente quand même de tout mettre au maximum. Voilà, il est au maximum, là. Alors, je te présente Samus. Samus Aran. De Metroid, évidemment. Donc, tout est au maximum. Ça n'a strictement rien fait. Et tout à l'heure, j'ai entendu un petit clic. Vous allez voir. J'essaye de... Ah mais il faut que je... Ah voilà, écoutez. Je viens de comprendre le comment je devais faire avec la souris. Bon, pour l'instant, on va aller voir les autres pièces, hein. On n'a pas d'indication. On n'a pas d'indication. Ici on n'y a pas été. Alors ce qu'on fait toujours, c'est qu'on met une petite on met une petite caisse pour dire que nous y sommes allés. Ah mais il y en a une autre. Eh ben d'accord. Il faudrait mettre les poids là exactement pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de miroir. 1, 2, 3 comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Nick Taras? En même temps, on a quand même de la manivelle, alors ça me... Ah voilà, il est bloqué dans sa position, donc c'est bien ça. Il faut qu'on mette l'effet miroir. Je suis déjà complètement perdu, mais non. Est-ce que t'as remarqué que le son était meilleur et que le... Et que le... Et que la luminosité était meilleure, hein? Bon, tu vois comment c'est fait, là? Il y en a un qui est bas, il y en a un qui est plus haut, il y en a un qui est mimolette. On va déjà faire le mimolette. Celui-ci, il a la hauteur du tuyau.
Voilà, on va faire ça. C'est sûr que c'est ça. Allez, viens là mon grand. Merde, c'est pas le bon. Ça va être celui-là. Il faut qu'on se mette bien. Ah, j'ai entendu le cric. Allez. Voilà, là c'est bon. Il y a un cric. Tout est fabuleux. Je te laisse gérer tes petits pois. Merci. J'ai envie de dire merci. Ensuite, tu t'occuperas des carottes. Ah, voilà. Je savais que t'étais en forme. Ça fait plaisir. Et vous savez quoi? On n'a même pas besoin. Ouais, c'est bon. Et ben voilà. Oh là 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 là. On plie le jeu. Daniel, is that you? What are you doing? On plie le jeu. Allez. Entrez dans le réservoir. Là, la salle des machines, on a fait ça en 2-2. Hein. Si les développeurs sont en train de regarder ce que je fais, je pense qu'ils sont en train de chialer. Donc là, on a réglé son sort à la salle des contrôles. Hein. On va aller tout de suite. Regardez comment c'est magnifique. Hein? Sorti en 2010. Hein. En 2010, je peux vous dire que les gens... Allez, on va à la salle des contrôles maintenant. Ben non, mais on en vient. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une boucle? Ça fait un tour? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'on en venait de la salle des machines, justement. Bon, on va tirer cette affaire au clair. Mais oui! On a trouvé une manivelle. Bon, oui, on en venait. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. Regardez, là il y a une caisse parce que c'est... Ben, on vient de le faire, ça. Ça c'est bon. Hein. C'est une affaire qui est réglée. Alors, est-ce que ça a fait vider l'eau? Ouais, c'est ça en fait. Je suis idiot. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour vider l'eau en bas. On retourne au réservoir en fait. Ma faute. Tu peux me refaire l'histoire vite fait? On est l'assistant du scientifique, c'est ça? En fait, je crois que les deux ont essayé de ramener... ils ont fait des expériences pour créer une espèce de liquide, à ce que j'ai compris. Parce que j'ai arrêté de lire les notes. Hein. Et suite à ces expériences, ça a mal tourné. Et il y en a un qui a dû trahir l'autre. Volontairement, notre Daniel, c'est notre personnage, a voulu perdre la mémoire. On sait pas pourquoi. Mais maintenant, sa mission, c'est qu'il veut retrouver son collègue pour le tuer. Voilà, je te fais les grandes lignes. On sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais de ce que j'ai compris, ils ont fait des expériences pour créer une espèce de liquide qui ben, l'eau est toujours là. Hein. On a une manivelle. Il faut qu'on utilise cette manivelle. Il n'y a pas un petit endroit. Parce que moi souvent, j'ai le nez dans le guidon. Je suis en train de jouer. Et je ne regarde pas assez bien autour de moi. Comme là, l'huile, on l'a trouvé. On l'a trouvé, mais un petit peu par hasard. Il n'y a pas un petit endroit où il y aurait manivellable. Bon, la porte est toujours fermée. On en sera sans doute davantage à la fin. Oui, je pense. Normalement, à la fin, il donne 2-3 indices. Allez hop, on remonte. Alors, non, mais il va falloir qu'on monte. Il y a un truc que j'ai pas fait à la salle des machines. Il va falloir qu'on monte encore, évidemment. Ah, là, on va au réservoir. Ben, on va au réservoir. J'ai dû un peu me planter. Je ne vois rien, le jeu est trop sombre pour moi, alors j'y vais et reviens plus tard. Ah, bah oui, mais ça, il faut avoir un écran de qualité, hein. Et à un moment donné, je peux pas tout faire. Hein. Je peux pas vous gâter. Hein. Et c'est trop sombre parce que j'ai pas de lanterne. Pourtant, je vous assure que moi, je vois exactement ce que vous voyez. C'est pas plus sombre chez moi que chez vous. J'ai même modifié quelques paramètres pour que ce soit plus clair. Un petit peu. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes.
like for drinking. Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Bon, l'eau va nous perdre. Il va y avoir des énigmes avec de l'eau. Hein. Moi, je suis d'avis de commencer déjà. On arrivait de par là. Il y a une petite lanterne pour qu'on s'en souvienne. Je suis d'avis pour qu'on se balade un peu par ici. Bon, là, c'est une petite séquence de gameplay. Regardez ça. Et voilà. On a réussi ça, les doigts dans le nez. Est-ce que ça a été utile? Absolument pas. Si, regardez là-bas. Alors, on va courir un peu. Voilà, point trop d'info. Voilà, et on va tourner ça. Qu'est-ce qui est écrit? Oh, réorienter l'eau des égouts. Attendez, il y a une note. 7 August 1839. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Hein. C'est jamais trop sombre, évidemment. Là, on a une note. On va la regarder après. Les notes, en fait, qu'il inscrit, c'est ce qu'on doit faire. Alors, moi, je les regarde quand vraiment je peine. Et voilà. Il y a Samus qui se plaignait qu'on voyait rien. Et ben maintenant, on va voir. Parce qu'on a retrouvé de l'huile. Non, ça, c'est de... Hein, quoi? Ah non, c'est ma fiole. Voilà, on a un petit peu de lanterne, maintenant. Mais on va pas l'utiliser, là. Hein. Il faut faire des économies. C'est ça qui fait du bruit, hein. Oui, mais Samus, elle s'amuse plus. Ah, c'est en le disant que j'ai compris le jeu de mots. Bon, là, évidemment, il va falloir faire quelque chose. Ou alors passer à quand ça s'arrête. Voilà, genre. Oh, mais merde. Oh, je suis passé. Ils sont un peu dégueux, hein. Voilà. C'est bon, c'est bon. On a coupé là. Ouais, c'est bon. Non mais là je roule sur le jeu hein. Depuis hier de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez entendu? Réorienter l'eau des égouts. Aucun problème. Ouais, allez. C'est pas la guise d'Emperor. Non, c'est Samos. C'est Samos. Bon, là je pense qu'on a réussi. Hein? Vraisemblablement, là on a fait ce qu'on nous avait demandé. On a réorienté deux fois. Hein. Ah, mais évidemment, il a peur. Donc là, on réutilise notre petite lanterne. Qu'est-ce que j'entends? Où nous ne sommes pas allés? Ah, regardez là. Il y a du pont-levis. Il y a du pont-levis. C'est attaché à une chaîne rouillée au plafond. Il a inscrit quelque chose à nouveau sur son memento, on regarde. Un pont doit être abaissé pour y accéder. Il y a des valves dans le réservoir pour réorienter l'eau des égouts. Oui, ça on l'a vu. Pour entrer dans l'égout, il doit d'abord être vidé. Bon, ça on le savait. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Au courant, moi, de tout ça. Il y a une chaîne, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va continuer. On a une manivelle, hein. Bon, il n'y a rien, là. On a très, très peu de lanterne, enfin, d'huile. Donc, j'aurais pas la gâcher. Bon, ça, c'est pas trop, trop sombre. Une manette en face du pont. Je vais voir. Je vais vérifier. On va regarder ça tout de suite. Ah non, c'était une torche. Attends, je vérifie quand même. Parce que des fois... Attendez, c'est où? Comment on est arrivé par là? On est arrivé par là? Non. Non, ça c'est... On en vient, on l'a fait. Il a peur là. C'est difficile, hein. C'est difficile de s'orienter parce que tout se ressemble.
Ouais, on l'a fait ça. On a fait ça. Tout ce qui est dans l'ombre, on l'a fait. De toute façon, ça éteint les torches. Il faut aller là où il y a de la torche. Par exemple, par ici, il y a de la torche. Regardez ça. Là, il y a un petit pont. Là, il y a une petite porte. Entrée dans le réservoir. Ah non, mais c'est l'entrée. Attendez. Non, c'est entrée dans le réservoir. On a commencé le jeu par ici, hein. Ouais. Non, on va continuer par là. Attendez, je vais en avoir le cœur net. Déjà, on reste 2 secondes pour qu'il se calme. J'ai envie d'aller voir là-bas. C'est le seul endroit où nous ne sommes pas allés. On l'a fait par ici. Ah ouais, ça faisait des drôles de bruit. Non, on est déjà venu là. On l'a fait ça. On a fait tout ça. On l'a fait. Faut qu'on se casse. Ça va ton petit? Hier, il a fait son apparition dans ta VOD, oui. Il a réussi à vaincre le Noise Gate. J'étais très fier. Non mais je ne vois pas. Il veut très bien. Il parle peu. Hein. Il nous a pas encore dit son prénom. Pour l'instant on patiente. Mais ma femme, je sais pas si elle va avoir la patience. Il nous a pas dit un merci depuis le départ. Hein. On lui a filé plein de trucs, on lui a mis des fringues. Ça l'intéresse pas grand. Ça l'intéresse pas énormément de communiquer. Et il est très peu serviable. On lui a demandé plusieurs fois de débarrasser la table. Alors là, autant parler à un mur. Hein. Ça l'intéresse absolument pas d'aider. En fait, la vie en société l'intéresse pas du tout. Il observe, oui, voilà. Bon, moi je propose qu'on se barre. Mais je vois pas pourquoi on est venu là alors du coup. Du coup là je comprends pas. Attendez, je vais me retourner à la torche et je vais revoir mes notes parce que mes notes me disent dans l'ordre ce que je dois faire. Non, c'est un très mauvais citoyen de notre appartement. Pour tout vous dire, s'il fallait aller voter pour élire qui que ce soit dans l'appartement, il n'irait pas. Hein. Ça sera un abstentionniste. Un pont doit être abaissé pour y accéder. Ok, bon bah alors là, il y a plus... Moi, dans mon idée, le pont manivelle, quoi. Il y a des valves dans le réservoir pour réorienter l'eau de l'égout. Donc il faudrait qu'on pourrait le refaire dans un autre sens. Ou alors on en a oublié une. J'ai l'impression que c'est plus ça, on a oublié une valve. Bon, mais le premier truc, c'est un pont doit être abaissé. Hein. Pour entrer dans l'égout, il doit d'abord être vidé. Ok, bon, ça c'est autre chose. Ça, c'est dans l'autre partie. Allez, le pont doit être abaissé. Il y a forcément une petite... Regardez, on a ça. On a la manivelle en bois. Une manivelle pour une machine. Ah, c'est pour une machine. Je regarde ce que j'ai. Hein. Ah, mon équilibre mental est clair comme de l'eau de roche. Bah, c'est la première fois. Et quelques coupures et égratignures, bon ça on a l'habitude. Non, on va pas dans le réservoir, faut qu'on termine ici. Chaque énigme se termine dans son lieu approprié. J'ai envie de remonter. Pour le pont, je suppose que ça doit être local. La manette doit être à côté d'un pont. Ouais. Mais alors évidemment, la manette va être peut-être... Regardez, peut-être qu'on peut bouiner, on peut sauter là. Ça serait tellement bien. Mais non, mais je peux faire le tour. Je suis con. Ah, je peux plus revenir. Bon, bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis softlock. Je suis bloqué. Allez, coquin. Je suis bloqué.
J'ai réussi à me... Ah non, c'est bon. Je t'aime, Romain, tout à l'heure. Moi aussi, je t'aime. Je cherche dans les alentours. Oui, je vais chercher. D'abord, je remonte. Non, non, on va trouver. Le jeu pas dur. Oula, oula, oula. Voilà. Regarde, on peut l'allumer celle-là? Allez, hop. Voilà, regardez. Ça, on l'a pas fait, ça. On n'est pas venu là. Ah si, le coffre est ouvert. L'eau qui rentre dans la chambre fait un bruit étrange. Moi aussi, je m'aime. Mais te plains pas, t'as des enfants, t'as des animaux. Je suis sûr que t'as plein d'amour. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut juste le refermer. Non, mais on est déjà venu vu qu'on a. C'est ici qu'on a ramassé pour. Vous avez vu, on a juste pu. Je baisse un peu. Ah, mes Zenos sont des enfants. Mais moi j'ai cru voir des animaux sur. J'ai cru voir des animaux sur ton Instagram. Me serais-je trompé? Vous avez vu, il y a eu une seule interaction. C'est juste l'eau fait un bruit étrange. Est-ce qu'on peut encore tourner les manivelles? Allez, on va aller regarder ça. Est-ce qu'on peut encore le faire? On va allumer là, on l'a fait. Hein. Non, il veut plus. Yes, j'ai deux petites chaînes, ce sont mes gamines. Non, mais moi j'ai vu des enfants. Réorienter l'eau des égouts. Non, mais vous voyez, hein. On peut plus là. Aqua Kulak. J'adore ce panneau, oui. Et bah, t'as une bonne vue, parce que moi je l'ai pas vu. Ok, donc ça. C'est fait. De toute façon, on va allumer là où on a fait. Hein. Il doit nous en manquer un que j'ai pas fait parce que tout se ressemble. On va aller à celui de gauche. Ah non, là ça nous tombe sur la porte. C'est l'entrée. Ah yes, tu as liké la photo de ma petite nièce. Ah ben voilà, c'est ça. C'est pour ça, moi j'avais vu des enfants, je me suis dit... J'ai été liké parce que comme tu revenais plus me regarder mes streams, j'ai été liké pour te faire croire que je t'aimais bien. Pour que tu reviennes. Pour que j'ai du public. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ah non mais non. Vous avez vu ça? J'ai sauté juste dans l'eau et ça m'a blessé. Sérieux? Sérieux, peut-être que j'engrosserai ma femme un jour, qui sait. Bah tu, moi je m'étais jamais reproduit jusqu'à présent. Mais là ma femme a mis bas. Et bah on est content. C'est rigolo d'avoir un petit être. Bon, bon t'attends pas à un grand miracle non plus hein, je veux dire ça. Moi pour le moment ça cause très peu. Voilà, on a trouvé. On a trouvé la troisième. Ah mais non, c'est celle qui nous emmerde. Parce que je suis idiot. Bah t'as eu, je suis là, ça a marché, oui. Bah oui mais c'est pas ça. J'ai vu mais c'est pas ça. On peut l'ouvrir ça. Ah bah voilà, voilà. Non par contre c'est ici. Non, on l'a déjà fait celle-là. Y a pas une torche pour qu'on puisse notifier qu'on est déjà venu. Il m'aurait bien plu moi. On l'a faite. Physiquement, ça se tient bien. Attends, non, attends, attends. T'as écrit plusieurs choses. T'as eu. Et. Elle a mis combien de temps à veler ta bonne femme? Elle ne regrette pas encore? Non, non, elle regrette pas, absolument pas. Physiquement, ça se sent bien? Oui, oui, oui. Bon, elle traîne un peu la patte. Hein. Pas te mentir. Ça traîne un peu. Ça traîne la patte pendant un mois. Hein. Il paraît que la mise base. Fou un coup dans la mise en pli. Oui. C'est ça. Alors moi, ça se manifeste par un traînage de pattes. Elle traîne la patte.
la mise bas. Bon. Comment se fait-ce ? Nous en manque un, hein ? Tu le trouves, toi ? Tu le vois, là, ce petit trou de manivelle ? Il faut qu'on manivelle quelque part. Celui-là, on l'a fait. Peut-être une luxation, quelque chose. La rotule a dû bouger de son logement. Mon chéri a eu la même chose aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, j'ai essayé de lui remettre. Mais ça n'a pas effectué. C'était pire. Donc je touche plus. Je touche plus. Et puis normalement le vétérinaire devrait regarder ça. On a rendez-vous mardi. Attendez. Il y a une petite pierre. Vous croyez qu'on peut la lancer sur la chaîne? Regardez-moi ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je me suis planté avec la caméra. Et voilà. Alors, ok. Et après? Qu'as-tu donc dans ton panier, petit jeu? Voilà. Et voilà. Et voilà, c'était ça. C'était tout bête. Et voilà. Voilà. Et voilà. Alors c'est dommage hein, qu'on passe les voies, mais c'est... le jeu est trop. Qu'est-ce que je fais? Je peux directement me barrer maintenant. Le jeu est trop bavard. Le jeu est un petit peu bavard pour le streaming. Ok, bon, donc. Oula, là j'entends qu'il y a de la bestiole. Donc on va remonter. Qu'est-ce qu'on entend? Ok. Je vais juste regarder mon memento là. Pour voir ce qu'on a à faire maintenant. Aucun memento n'est disponible. Ah, on a tout fait. Donc normalement l'eau est séparée. On peut retourner on peut aller aux égouts. C'est ce que je crois. C'est ce que je comprends. Ah oui, il y a du mucus. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, il y a encore cette histoire de... Comment je fais? Cette histoire de pas dans l'eau là. C'est bon. On gère. Oula. Enfin on gère. La sortie elle était bien par là. Ah merde. Pardon. Non c'est pas par là. Ma femme est à côté. Et... Ma femme est à côté, a suivi tes propos sur l'engrossement, elle ne cautionne pas les propos, mais rit fort. Ah, c'est de la petite blague. Enfin, c'est de la lunette. C'est le mucus qui te blesse ou une sorte de léviathan spectral? Non, c'est le mucus. Le mucus me blesse. Pas où on arrivait. Le mucus me blesse. Mais même quand je saute dans l'eau, ça me blesse. Alors, allez, c'est bon. Ben non, là c'est le pont-levis, on vient de le faire. Ah non, c'est pas le pont-levis. Je sais plus, tout se ressemble. Si, c'est le pont-levis ça. C'est ce qu'on vient de faire. Bon, c'est quand même fou maintenant. Tout à l'heure je cherchais, je trouvais pas. Maintenant je veux retrouver la sortie. Il veut pas me le donner. La porte de sortie. Allez. Ah non, fais pas ton salaud là. Ah putain. Il me fait chier jusqu'à ses 18 ans. Je sais que c'est pas par là, mais je me sens obligé d'y aller. Ah non, tu vas retourner dans les égouts. Bah oui, je veux retourner parce que maintenant l'eau est libérée. Je sais plus par où on est arrivé. Qu'est-ce que c'est chiant qui se bloque. À des moments, c'est bon qu'il y a des moments, non? Et je ne sais pas pourquoi. Là, on va mourir. Allez, je retourne je sais pas où. J'arrive pas à retrouver la porte, c'est quand même fou. Elle est où cette maudite porte?
Et... Mais oui, c'est un spectre qui te suit, je vois ses pas. Oui, non, mais dans l'eau. Oui, oui, tout à fait, il y a un spectre qui me suit, mais dans les... dans l'eau. Ma femme, elle a 30 ans. Vénus, elle a 30 ans. Bon, j'allume ici pour dire qu'il faut pas y aller. Attendez, je me reprends un peu de santé mentale. Vénus, elle a 30 ans. On peut le tourner encore, ça? Non. Mais oui. Ah non, mais c'est encore... Je suis con, hein. Ça va me le faire à chaque fois. Bon, excusez-moi. Là, il y a un petit flottement. Mais vous avouerez quand même que tout se ressemble. Non, mais en fait, c'est ici qu'on entend. C'est ici pour retourner. Il y a du mucus. C'est pas là. Ah. C'est ça, c'est ce qui est un peu agaçant avec ce jeu, c'est que bah, tout se ressemble, quoi. Ah, je suis mort. Oh là là. Alors il va me donner un indice. Avant je faisais jamais attention, je lisais jamais. Au fur et à mesure que le monde, ah oui, s'obscurcit, les chemins changent. Bon, on est là. Elle est où cette putain de sortie? Je suis en train d'allumer tout, mais... Un flottement dans les égouts. Oui, bah ça, c'est les petits pas. C'est les petits pas du monstre qui me suit. Attendez, la porte, elle est où? C'est la porte, là-bas? Non, c'est en... Non, là on en vient, on l'a fait. C'est quand même dingue. Depuis tout à l'heure, je retrouve la porte sans le vouloir, et maintenant que je veux la retrouver, je ne la retrouve plus. On va le leurrer avec un caillou. Je sais plus par où aller. Non, ça lui fait faire que dalle. Un flottement, je comprends pas. Un flottement dans les égouts. Je sais plus par où aller. Bon, là où c'est allumé, c'est pas par là où faut aller. Hein. Allez hop. Ah bah voilà, mais tout à l'heure on pouvait pas. Oh mon dieu. Allez, c'est ma faute. On dirait que c'est ma faute. Les pas suivent le petit caillou que tu as acheté. Bah j'ai pas eu l'impression. Hein. Je veux bien te croire, hein, parce que quand je regarde les VOD, je vois que t'as souvent raison. Mais là, quand je viens de le jeter, il est resté... Alors peut-être qu'il met du temps à y aller. T'as peut-être raison. Allez, on descend. J'ose pas descendre par là, on va mourir. Ouais, bah voilà, bravo. Je le savais. Hein. Et puis on est vraiment blessé en plus. On va être obligé de prendre un... Voilà. Ouais, bravo. Allez, on retourne dans les égouts. Un petit peu de lumière. Ah là, maintenant c'est bon, il n'y a plus d'eau. Allez, il est en train de se plaindre de quelque chose. Une odeur infecte et venimeuse s'infiltre à travers la porte. Continue plus loin sans un vaccin pour être fatal. Oh, putain. Ok. Il nous faut un vaccin. Bon. Bravo. Memento, trouver un vaccin pour traverser sans risque les égouts. Mais d'accord, mais il est gentil. Mais on n'a pas beaucoup de possibilités maintenant. Peut-être que la porte est ouverte. Non, ça ne veut pas bouger. Du coup, là, je ne sais pas par où aller. Il me dit de trouver un vaccin. Mais où puis-je trouver ce vaccin? Il faudrait qu'on retourne à la salle de contrôle, non. Ça... Oui, Samus, c'est la famille, c'est Vénus.
Elle aime bien se créer des comptes. Réservoir. Bah non, réservoir, on vient de le faire. Attendez, il y a une petite tache de sang là. Non, parce que moi j'ai pas envie de retourner. Enfin, là quand même, c'est là où le jeu m'agace un petit peu. Faudrait qu'on arrive à faire baisser ce truc là. Faudrait qu'on aille là en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'elle se fait bannir à chaque fois qu'elle dit une bêtise. Donc elle se recrée un compte. Tu te souviens de cette affaire de réservoir de l'eau coulée de manière bizarre dans les égouts? Oui. Tu penses qu'il y a un lien avec le vaccin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu... Qu'as-tu en tête? Qu'as-tu en tête, Taras? Il n'y avait rien à faire là-dedans? Bah non. À chaque fois que j'y suis allé, juste il y a eu cette petite indication. Comme quoi on pouvait interagir. Enfin, on a pu interagir qu'une seule fois. Et ça nous a dit l'eau coule de façon bizarre ici. Je me souviens même pas comment j'ai fait pour faire descendre ça. Il est descendu. Non, il faut qu'on retourne à la salle de contrôle. Il faut... Parce qu'il est hors de question de revenir. Oui, voilà. Non, non, j'ai cliqué pour être sûr. On ne revient pas en arrière, quoi. Non, c'est sûr que tout ça se passe ici. Bon, déjà, ça me soulage parce que... Mon Dieu, là, s'il fallait retourner, je sais pas où. Ça doit être... Oui, c'est un item d'ambiance. J'en ai deux, Vénus et Samus. Voilà. Non, on va retourner à la salle. Non, ça c'est le réservoir. Le réservoir, on l'a fait. On laisse tomber. Ah, vous avez entendu? C'est-à-dire que c'est le bon chemin. On a une voie. On retourne à la salle de contrôle. Il faut qu'on fasse descendre l'autre passerelle. C'est comme ça que je le comprends, moi. Faut qu'on trouve un petit vaccin. Et le vaccin, il va se trouver derrière l'autre porte. On peut plus les tourner, ça. Voilà. Je vérifie, hein. Puis en même temps, on va peut-être retrouver un petit peu de Mamadou. Je regarde si derrière, il n'y a pas un truc planqué. Ça, c'est bon. Ça, c'est fini, ça. Voilà, c'est bon, c'est bloqué. Ah, je vérifie parce que c'est un jeu. Bon, ça, maintenant, c'est une formalité d'ouvrir les portes. Hein. Ok. Il veut pas que je passe, là? Si. Janus aux deux visages, voilà, c'est ça. Bah ça, on l'a fait. On a fait descendre celui-là. Ah, peut-être qu'on n'a pas fait descendre celui-ci. On n'est jamais descendu ici. On l'a jamais peut-être ouverte, cette porte. Bah si. Attendez, je... Est-ce que j'ai déjà bouché ce levier-là? Il est bloqué dans sa position. Ils sont tous bloqués. Ah non, celui-là, il peut bouger. Ah non, il est bloqué dans sa position. Ok, donc ça on c'est terminé. Attendez, il y a peut-être un truc là. Très bien. Mamadou. Et une petite feuille. Les seuls trucs intéressants que je lis, c'est les notes. Pour les énigmes. Sinon l'histoire, malheureusement, comme je stream, bon. Et elle est pas si intéressante que ça, c'est les voix qui sont géniales. Je préfère pas savoir et faire les... Non, voilà, on a terminé là, ici. On a fait ce qu'il fallait faire. Là par contre je... Ah voilà. Ça, on a jamais rien fait, je me souvenais plus. Ici on a jamais rien fait. Je sais pas à quoi ça peut servir.
On a une manivelle. Ça, c'est curieux ce truc là. On s'en est jamais servi. Et on a une manivelle en bois. Aucune combinaison possible. Pourquoi? Regardez, en plus j'ai allumé ici. Bon, ça c'est un faux coffre. J'ai allumé ici, on peut venir ici. Il y avait strictement rien. Si ce n'est ces petits trous. Et à part venir ici et faire quelque chose, je n'ai pas de... Comment dirais-je, je n'ai pas d'autre endroit où aller, si ce n'est de retourner là où il y a la flotte. Et la flotte, bon bah on a tout fait quoi. Non, faut qu'on trouve un moyen d'abaisser l'autre partie. Mais là, cette pièce, elle est quand même très curieuse, il n'y a rien d'écrit. C'est une pièce comme ça, il n'y avait rien. Je suis limite, j'ai envie d'allumer les deux, l'autre. Pour me rendre compte. Oh, il y a un truc à faire ici, regardez. C'est pas possible. Il me donne pas d'indication, il n'y a pas de main, il y a que dalle, quoi. Non, bah non, évidemment. Bon, je fais un peu n'importe quoi, là. Hein. Là, toujours ma fiole en verre, mais... Non, il n'y a rien. Je vais retourner dans la pièce principale. Ce qui est curieux, c'est que j'avais le sentiment d'avoir trouvé une porte de sortie tout à l'heure, sans repasser par les autres. Allez. Non, on a tout fait là. Comme dans le... Alors, on dirait qu'on peut mettre des tuyaux dans ces trous. Oui, c'est exactement ça. Comme dans le mur qu'on a vu juste avant. Quel mur? Ici même? Dans le mur qu'on a vu juste avant, il y avait des tuyaux? Je comprends pas. Yes, dans cette pièce. Dans la pièce d'où je viens? Parce que tu sais qu'il y a un décalage, à chaque fois que tu m'écris un truc, moi je bouge. Donc quand tu dis dans cette pièce, je sais plus où c'est. Peut-être plus. Il y avait un mur avec des tuyaux qui entraient et sortaient. Je pensais qu'il y avait un délire comme un effet miroir. Il y avait un mur avec des tuyaux qui entraient et sortaient. De quoi tu parles? Ça? Oui, tu as raison. Faut trouver les embouts et les mettre pareil. Et j'en ai vu par terre. T'as raison, merci. C'est ça. J'en ai vu au sol. Genre là. Voilà, c'est ça. Merci bien. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé? Merci bien, Nyctaras. Bravo. Bravo. On l'a perdu en route, là. Bravo. Ouais, t'aurais dû faire ingénieur, mais c'est trop tard. C'est trop tard, Nyctaras. Mais quoi, il veut pas? Ah bah non, mais c'est ça, c'est sûr. Allez. Ah, il s'est mis tout seul. Je l'ai lâché. Il a été aimanté d'un coup. On va chercher les autres. Je regarde s'il n'y en a pas un. C'est là où on a trouvé le premier. Hein. On va faire les autres. En fait, c'est aimanté, ça se... Non, mais c'était bien vu. J'aurais peut-être fini par trouver, mais... Mais avec du temps de retard. J'ai pas fait attention. Bon, il y en a pas là. De toute façon, il en faut combien? Tu t'as compté combien il y en avait? J'aurais dû compter. Oui, l'aimantage est une vraie satisfaction. Ça fait toujours bien plaisir. Allez, on y va. Faut pas qu'on ait peur. Hein. Regardez-moi celui-là, il est pas beau? C'est pas un beau celui-là? Moi, je serais d'avis de... Voilà, comme ça lui déjà il est prêt. On va tous les prendre avant de partir. Je pense qu'il doit y en avoir 3 ou 4. Allez, t'es où là?
On sait que t'es là. On sait que t'es là. Ah voilà. C'est pas con, hein. Ils les ont mis bizarroïdement et on les reconnaît pas. Allez. On va regarder combien il nous en manque après. Ah là, c'est du bon travail d'équipe. Allez, allez, prends-le. Allez, viens là. Allez, viens, n'aie pas peur. Viens avec moi. Viens avec moi, je t'offrirai une vie que t'auras jamais eue. Allez, regardez-moi ça. Voilà. On va voir après ce qu'on peut faire. Il va falloir qu'on bouge tous les trous, évidemment. Évidemment. Allez, vas-y, Docteur Mario, fais-nous rêver. Alors, j'ai jamais joué à Docteur Mario. Il est où? Ah, mais il est là. Mais du coup, je suis con. J'avais oublié que j'avais déjà fait passer de l'autre côté. Allez, 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 viens là. Là, on speedrun le jeu, quasiment. Et voilà, ils se mettent tout seuls. On peut les reprendre? Ah oui, en fait, voilà, il va falloir quand même qu'on win. Donc, celui-là, il est comme ça. Il y en a un au milieu. Tiens, viens là, toi. Viens là. Comment on le pivote? Ah, par contre, je sais pas faire pivoter. Ça va être un problème. Pas si je me mets bien. Non, c'est pas ça que je veux faire. De toute façon, il en faut combien? Il en faut. Mais il y en a là. Hein? Mais c'est quoi ce délire? Il y en a autant que ça? Je pense que chacun a leur place. Il t'en manque un. Oui, oui. Oui, oui, chacun a leur place. Et puis il y aura un gros qui va passer par-dessus. Allez, on cherche le dernier. On va recommencer depuis le début. Parce qu'il y en a eu deux là. Je vais regarder dès l'entrée. Tu me dis si tu vois quelque chose. On va y aller tout doux. On commence. Comme ça. On regarde bien partout. Tu peux pas les faire pivoter? Bah si, on peut, mais je ne sais pas comment on fait. Ah, j'en ai plus 4 de Mamadou, j'utilise pas. Si, si, on peut les faire pivoter normalement. Je sais pas le faire. C'était au début du jeu, ils nous l'ont dit, puis je... Alors on va voir si vraiment ça nous handicap. C'est ça que je cherchais. C'est ce mot là que je voulais. C'était ce mot là. Le dernier sera fourbe. Et oui, c'est quand même assez sombre dans certains coins. Oui, non mais j'ai la petite loupiote pour les endroits les plus coquins. Mais il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc... Mais bon, le jeu est sombre, mais bon, c'est bon, on voit quand même. Moi, j'ai pareil que vous. Hein. Alors, il faut faire un effort. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Faut arrêter de se plaindre. Hein. Le dernier sera... Oh, non, mais je suis en train de relire ton... Bon, il est pas là. Hein. On va les regarder à nouveau. Ah non, là, je suis en train de repartir. C'est pas une bonne idée. Hop là, vous avez ça? Comment je deviens à l'aise avec le jeu maintenant? Comment je maîtrise un petit peu? Avec plaisir. En plus, j'ai passé une super bonne journée. Je sais pas pour vous, mais... Moi, elle était très très bonne. Ma première journée de confinement, parce que comme j'habite à Paris, c'est très 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 bien déroulé. Vous entendez? Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. À chaque fois qu'il y a une petite voix ou quelque chose... C'est pour nous dire que c'est bien. Qu'on fait bien. Regardez, il va être là. Ah putain, mais ça me donne envie de... On a ramassé de l'huile, ça, c'est fantastique. Non, je vais pas faire ça. Voilà. Ça voudrait peut-être dire qu'on n'a pas bien regardé derrière les escaliers. Quand on... Les autres... Je suis toujours en train de lire ton commentaire, le dernier sera fourbe. J'ai pas bien regardé ici. Qu'est-ce qu'il me dit là? Non, c'est juste pour la chaise. Là, il y a des outils, mais on s'en fiche. Oh, on va trouver. Mais c'était coquin quand même.
Bah, normalement, il est gros comme les autres. Donc, on devrait tomber dessus quand même. À moins qu'il soit, dans la pièce et puis je l'ai pas vu. Tout est possible. Hein. Tout est complètement. Tout est faisable. Et je voulais vous dire, le problème que j'ai, c'est que quand vous regardez tous les deux, eh ben ça me fait un viewer en moins. Eve, tu veux pas aller regarder sur ton portable? Dis donc. Comment on va les atteindre, les 50 followers? Comment on va devenir partenaire? Hein? Si personne n'y met du sien. Comment on va faire? Imaginons. Ça se trouve que des fois, quand il y a deux viewers, eh ben, ça se trouve que c'est un théâtre. Et ils sont en train de projeter mon stream et il y a 500 personnes. Alors, mais moi, ça me marque un seul viewer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ta femme a deux comptes? Non. Pour doubler le nombre de viewers? Non, non, non. Non, mais elle est même pas en train de regarder, là. Non, non, elle a changé parce qu'elle s'était rendue compte. Je vais vous dire pourquoi elle a créé un autre compte. Elle s'est rendue compte qu'avec le nom Vénus, eh ben, elle se faisait harceler. Quand même pas malheureux ça, parce qu'elle regarde d'autres streamers et quand tu as un nom, ton prénom est Vénus, et bah t'as tous les mecs, les morts de faim qui te sont là, ah, salut Vénus, salut Vénus, salut Vénus. Donc elle a pris un autre nom et comme ça, ça se passe mieux. Ça me fait pareil moi avec mon prénom Romain, j'ai arrêté de l'utiliser, ça rendait tout le monde fou. Non non, c'est pas pour doubler le nombre. Bah surtout que je lui ai dit, en plus je lui ai dit c'est nul parce qu'après moi ça me fait, si tu t'abonnes après ça me fait des faux viewers. Elle aurait dû choisir comme pseudo, voilà, 75 à la fin bien sûr. Bon, vous m'aidez pas beaucoup hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui ne disent rien. Vous m'aidez pas beaucoup. Il est forcément là hein. Il est caché quelque part. On va tout retourner. Après, je sais plus si j'ai fait la pièce. Regardez, celle-là, on va mettre une bougie, ça voudrait dire qu'on l'a fait de faute en comble. Il est pas là le tuyau, on est bien d'accord. Hein, le gros tuyau là, oh. Poussez-vous là. C'est la police. Bon. On peut la fermer là, on peut fermer la porte. Bon, je regarde quand même en hauteur. Imaginons qu'il soit mis en hauteur, ce coquin. Allez, on ferme la porte. Il n'y a plus le droit d'habiter ici. C'est fini. Cette pièce est close maintenant. Maintenant, à ton tour. Bon, je suis pas fou. Il n'y a rien du tout. C'est comme... Ça se trouve, il y a un tuyau quelque part qu'on pourrait déloger. Bah, tu as un user qui s'appelle Bing Cortana. Ah bon? Attends, je te lis. Avec un pseudo comme ça, il ne risque pas de trouver quelque chose. Oui, voilà. Mais c'est peut-être son souhait. C'est peut-être même une femme, on sait pas. Bon, moi je dis qu'ici c'est bon. Allez hop, on ferme. Il va falloir qu'on sévisse un peu. Hein. Faut qu'on soit méthodique. Et là, en te lisant, je le suis moins. Tu as brillé, tu as excellé tout de suite. Et là, d'ailleurs, ça y est, tu me remets dans. Tu m'handicapes. L'enfoiré. T'as excellé, t'as brillé. Et puis, c'était un feu de paille. Tu m'handicapes à nouveau. Allez, on allume. Moi, j'ai les idées. Pas de ma faute, c'est la manœuvre, n'assure pas derrière. C'est pas faux. C'est pas faux. Et que penses-tu de mon idée alors? J'ai une idée, moi. Ça m'arrive. Ah, on peut passer derrière. Oh bah ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est bon, laissez tout tomber. Il va être derrière un escalier. Sinon j'avais l'idée qu'on pouvait décrocher un des tuyaux. Un des tuyaux est détachable. De ceux déjà présents. Non mais laissez tomber, il est derrière un des escaliers. J'ai pas... Ah, on peut pas dans celui-là. Non mais c'est sûr, vous allez voir, regardez ça. Mais putain, allonge-toi. Il va être ici. Allez.
Il est pas là, mais c'est dans l'autre pièce. Merci, est difficile de se connecter. Ah voilà. Et voilà, la réponse à tout. La réponse à tout, ma femme. Une excellente réponse de Samus Aran. Ah mais c'est un jeu d'énigmes, alors ça, on prend un peu de, ça prend un peu de temps, voilà. Alors, cette pièce que j'avais un petit peu condamnée à la va-vite. Ah oui, mais il n'y a pas d'escalier ici. Ah ah. Donc je l'ai pas condamné à la va-vite. Mais mon dieu. Bon bah alors, on en arrive à mon idée, ce qui fait de la peine. C'est qu'il va y avoir un tuyau qui est détachable. Et qui est forcément coudé. Coudé. Et forcément coudé. Tout à l'heure, quand on a rentré dans la pièce, il a commencé à bavarder. Donc ça doit être par là que ça se passe. Il y a un tuyau coudé qu'on peut récupérer. Qui sert pas vraiment. C'est sûr. Alors ça commence à devenir compliqué. Hein. Si les énigmes à un moment donné c'est des trucs comme ça, faut s'en sortir. Allez, faites des photos hein, parce que là, faites des captures d'écran, c'est pas souvent éclairé. Ah oh, mon dieu. En même temps, ça me plaît. Hein. Alors c'est pas le meilleur jeu à streamer, je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez, moi j'aime bien les jeux bizarres. Pas ma faute. Pas ma faute. Qu'est-ce que t'en penses, Nick Taras, de mon idée qu'il y a un tuyau coudé qu'on va pouvoir récupérer. Ça se trouve, c'est tout con. Ça se trouve, il est visible depuis le début. Hein. Je le vois pas. Ça va. Quand on va le trouver, ça va m'agacer, évidemment. Allez. Là. Oh là là. Je suis en train de vider ma lanterne pour rien. Pas le récupérer celui-là. Bon, je retourne dans la salle. Elle est où? Ça se trouve, il est là dans le coin. Oh, putain, mais baisse-toi, coquin. Il te manque un quatrième tuyau. Je t'avoue que je suis en train de demander à Tati Daniel. Ah. Voilà, demande à Tati Daniel. Oui, il me manque le quatrième. Bon, déjà qu'elle nous a offert le jeu, elle connaît peut-être la soluce. Regarde, ça se trouve c'est ici qu'on peut. Mais ça se trouve on peut décrocher un de ceux-là, mais bon, ça serait idiot. Ou alors on peut faire, avec, on peut manœuvrer les trois. Je suis pas sûr qu'on puisse. Non, il remet toujours la même chose. Il veut pas se mettre en diagonale. Ils sont pas exactement pareils les trois, hein, si. Ah non, il y a trois tuyaux. Ah, il y a que trois tuyaux. Alors que comment se fait-ce? Alors, éclaire un peu ma lanterne. Comment il va falloir que je manœuvre. Voilà. Ah bah là, il a bien voulu le faire. Parce qu'il y a eu... Il y a eu pliage. Et voilà. Et voilà. Et bah, s'il n'y a pas besoin de lire la soluce. C'est bon, on a réussi. On retourne de ce pas à la... C'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi parce que je suis trop fort. On retourne de ce pas. Vous entendez ce son? Oula! Ça s'est cassé. Ah, il nous faut la manivelle, évidemment. Oh putain, mais je suis trop fort. Et voilà. Putain, magnifique. Magnifique. Magnifique, ça mérite la mouche. Regardez, d'une main la mouche. Voilà. Ah bah génie, il conseille de mettre une caisse sous la porte qui descend.
Eh ben ouais, mais on n'a pas eu besoin. On n'a pas eu besoin. Ah, j'ai un peu envie de chialer. On a utilisé la manivelle. Bon, normalement, il y a un truc qui est descendu. Mais rien du tout. Qu'est-ce qu'on a entendu alors? Mais quoi? Qu'est-ce que ça a fait? Eh ben, on le saura la prochaine fois. On le saura la prochaine fois. On va se laisser ici sur ce magnifique plan. Ça fait déjà 1h30. Je vais aller rejoindre justement ma petite Samus Aran, alias Vénus, et mon petit bébé. Je vous remercie Nick Taras, Eve, Samus Aran justement, et puis Tama qui est là, puis tous ceux qui nous regardent et qui ne parlent pas parce qu'ils sont un petit peu timides, mais je les comprends. Qui ne serait pas un petit peu intimidé, hein, par mon phrasé et mon skill? Qui ne le sera pas? Donc je vous dis à demain. Demain 21h. Allez, je vous embrasse très fort. À demain. Tchuss. One moment when the music captures our soul.